Bonjour, je suis Karine Bourgeois, chargée des admissions et de la promotion à l'UTBM. Si vous souhaitez rejoindre l'UTBM à la rentrée de septembre 2021, deux possibilités s'offrent à vous. Soit intégrer directement l'UTBM en cycle préparatoire. Si vous êtes actuellement en terminale générale ou STI 2D ou encore à Bac plus 1, vous devez candidater via le portail national Parcoursup. Donc, le recrutement à l'UTBM se fait sur dossier et entretien. À la rentrée de septembre 2021, l'UTBM proposera 270 places pour le bac général et 10 places pour le bac STI 2D. Donc, nous allons balayer ensemble les différentes dates clés sur Parcoursup. Donc, du 20 janvier au 11 mars, inscription et formulation de vos vœux. Donc, l'UTBM fait partie du réseau des universités de technologie, donc avec l'UTC Compiègne et l'UTT de Troyes. La procédure d'admission est commune aux trois établissements. Un dossier de candidature unique comptera pour un seul vœu. Et ensuite, vous avez le choix d'un, deux ou des trois établissements. Pour information, les vœux et les sous-vœux ne sont pas classés. Vous aurez donc une réponse de chaque établissement. Concernant les bacs STI 2D, le recrutement se fait uniquement à l'UTBM. Vous aurez jusqu'au 8 avril, donc date limite, pour finaliser votre dossier et confirmer vos vœux. Une fois votre dossier complété et votre vœu confirmé, vous pourrez être convoqué à un entretien d'admission par groupe de 5 candidats sous forme d'un débat-discussion. Le fait d'être convoqué à un entretien ne va pas signifier que votre candidature sera acceptée. De même, le fait de ne pas être convoqué à un entretien ne signifiera pas que votre dossier sera refusé. L'entretien se fera en présentiel, selon l'évolution des mesures sanitaires. L'entretien que vous passerez sera valable pour l'ensemble du réseau et vous serez convoqué dans l'UT la plus proche de votre lieu d'étude. Et à partir du 27 mai, réception des propositions d'admission en continu jusqu'à mi-juillet. Vous pourrez également intégrer l'UTBM directement en cycle ingénieur à partir d'un bac plus 2, comme un DUT, un CPGE scientifique, un BTS, une licence scientifique, par exemple. Donc l'inscription là se fera sur le site du réseau des UT, donc le site 3ut-admission.fr. Le recrutement toujours sur dossier et éventuel entretien. Au préalable, nous vous invitons à consulter la liste des diplômes recevables pour vérifier que votre diplôme vous permet de postuler à nos formations d'ingénieurs. Le site de candidature sera ouvert du 20 janvier au 20 avril. Une fois votre dossier complet et validé, vous pourrez être convoqué à un entretien de motivation. Là, en individuel, sauf pour les CPGE, entretien par petit groupe de 4 candidats. Les résultats d'admission seront communiqués mi-juin, sauf pour les formations sous statut apprenti, ce sera pour mi-mai, pour vous permettre de rechercher votre entreprise. Pour les retardataires, une deuxième session d'admission pour les formations d'ingénieurs sous statut apprenti, uniquement à l'UTBM, du 21 avril au 30 juin. Le dossier de candidature sera téléchargé directement sur le site web de l'UTBM. Et pareil, convocation éventuelle à un entretien au fil de l'eau. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à m'écrire à service.admission@utbm.fr. À bientôt à l'UTBM.